सर पे साया है, हम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है. Ressaisis-toi, frangin. Tu dois laisser ton passé derrière toi. Tu t'es mal comporté, sauf que c'était dans une vie précédente. Évidemment, tu étais un meurtrier dans cette vie-là, et tu es un bon samaritain dans la vie actuelle. Tu en seras sûrement récompensé. C'est pour ça que je pense que tu dois oublier le passé. Ceci dit, habille-toi en vitesse. Aujourd'hui, on va travailler. On reprend tout là où on l'a laissé. Tu es devenu sage. Mon petit frère a grandi. Normal, je tiens de mon grand frère. Maintenant, il faut que j'aille prendre ma douche. Serais-tu malade? J'ai remarqué que tu te levais drôlement tôt en ce moment. Tu te souviens? Quand je te mettais un doigt dans ta tasse de thé le matin pour te réveiller. Donc, si je comprends bien, tu te présentes dans ma chambre à la première heure ? Pour me rappeler que j'avais l'habitude de faire la grasse matinée. Non, non, je ne veux pas te donner de leçons. Je suis venue te dire qu'avec mon père, nous devons partir une petite semaine, Ange. Une semaine? Pour aller où? En fait, un oncle éloigné m'a légué une parcelle de terrain. Alors avec mon père, on doit absolument aller là-bas. On a des papiers à signer. Mais Gayatri, quand est-ce que vous partez? On part dans la matinée. Rassure-toi, Ange, toutes tes chemises sont repassées et rangées. Tes caleçons et tes chaussettes sont à leur place dans l'armoire et j'ai mis tes dossiers sur la table. Ange, je m'inquiète. Tu m'appelles dès que tu as besoin de quelque chose. Et je ne vais pas être là. Gayatri, reviens vite, je t'en prie. C'est vraiment excellent. Chandar aussi adore ça. Maman, j'ai fini les préparatifs du voyage. Je n'ai plus qu'à dire au revoir à Satya. Mon cœur, regarde, je vous ai préparé un encas. Vous risquez d'avoir faim sur la route. Que puis-je faire pour vous aider, Ginny? En fait, je m'ennuie un peu à rester inoccupée. Ah, avec joie. Comme tu t'appelles Souani, tu peux reprendre les tâches que Souani avait l'habitude d'accomplir. Mais moi, comme je dois m'absenter une semaine, tu pourrais me remplacer. Je nettoie le bureau de Satya, ensuite je fais la chambre de Choub et sa salle de bain. Le petit déjeuner aussi, je le prépare pour tout le monde. Oh, dis donc, c'est le même sari que tu portes encore? Je ne possède que 2 saris. Maman, il faudrait demander à Choub de lui acheter des vêtements. Ne t'inquiète pas, chérie, j'en parlerai à Choubi. Merci. Manorama est pénible. Elle est incapable de faire quoi que ce soit comme il faut. C'est pas normal. Je lui ai demandé une tasse de thé. Mais elle a dû aller cueillir les feuilles en Chine. Ou se briser le poignet. Je crois que je ferai mieux de me déplacer si je veux boire un... Ça y est. Je t'ai demandé une tasse de thé. Et tu m'amènes du halwa? Ça ne te choque pas. Tu ne changeras donc jamais. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais une tête de 5 pieds de long dès le matin? Je te le dirai pas. Tu vas m'enguirlander. Non, 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 je te le jure. Je peux pas t'enguirlander tout le temps. Et puis j'ai l'habitude. Je ne te disputerai pas. Maintenant, tu sais quoi? On doit payer des vêtements à mademoiselle. Je t'assure, Chandar, parce que Ginny et Gayatri disaient à Souani tout à l'heure que c'est Choupe qui lui paiera les saris. Tu rigoles? Ils vont bien finir par lui donner la maison. Satya et Choup ont commencé par ramener une étrangère et ils l'ont installée sous notre toit. Et maintenant, regarde, ils vont l'habiller. Ils ramassent une fille trouvée dans la rue et ils l'appellent Souani. C'est vraiment bizarre, ça. Chandar chérie, ce que je crains, c'est que cette fille devienne une belle fille de la famille. Ma pauvre chérie, il faut pas que je te tire les vers du nez, ça m'apprendra, tiens. Ton cerveau ne tourne pas depuis longtemps, ménage-le ou tu feras une hémorragie. Soit dit en passant, cette fille est totalement livrée à elle-même. Et on manquerait notre devoir si on lui venait pas en aide. Qu'est-ce que tu en penses, hein? C'est une blague. Tu n'es pas sérieux. Eh, bien sûr. Une chance comme celle-là ne se laisse pas passer. D'ailleurs, je te suggère d'être très gentil avec elle. Hein? Compris? Oui, tu es malin comme un singe. Tu sais quoi? Je vais aller lui donner un coup de main, ça va briller. Tu es le meilleur. La machine est en route. Et maintenant, il suffira d'attendre la suite avec beaucoup de patience. Et on verra. Voyons voir. Pas assez d'amandes. Et un peu trop de sucre. Comme tu t'appelles Souani, tu peux reprendre les tâches que Souani avait l'habitude d'accomplir. Souani? Je n'ai pas réagi quand Gayatri a dit que tu avais besoin de nouveaux saris et puis... j'ai parlé du problème à Chandar. J'ai percuté alors que bien sûr tu n'avais pas de vêtements. Écoute... tu es un peu de la famille maintenant. En attendant qu'on t'emmène au magasin, tu peux te servir dans l'armoire. Regarde donc. Tu vois, elle est remplie à ras-bord. Sers-toi, prends ce que tu veux. D'accord? Tu n'aimes pas les couleurs? Fais bien attention à Choup. Et prends tes médicaments à l'heure indiquée. Prends soin de toi et de ton père. Allez, on y va. Il se fait tard. D'accord. Gayatri, reviens-nous vite. Allez, au revoir, Satya. Soyez prudent. Soany ? Elle porte les vêtements de Soany. Comment? Mais comment tu es habillé? Tu as mis les vêtements de Soany. Mais enfin! De quel droit tu les portes? J'ignorais qu'ils appartenaient à Soany. Qui t'a autorisé à mettre ces vêtements? Tu peux me le dire? De quel droit tu les as pris? Réponds-moi! Je veux savoir pourquoi! Pourquoi? Mais... pourquoi? Je voulais... Tu voulais quoi? Choubi, si j'avais su que c'était les vêtements de ta femme, je n'y aurais même pas touché. Quelqu'un m'a prêté ses vêtements et... effectivement, j'ai choisi un sari. Qui t'a donné ces vêtements? Pour moi, c'était... Dis-moi qui te les a prêtés. Est-ce que tu vas me répondre, oui? J'avoue... Je dois avouer que... j'ai pris les vêtements dans l'armoire. Tu as fait quoi? Comment as-tu osé te servir? Tu es invité dans cette maison. Si tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes. Avant d'agir la prochaine fois, demande-toi si tu ne risques pas de blesser quelqu'un. Tu n'aurais pas dû faire ça. C'était une erreur. Choub, qu'est-ce qui te prend? Je ne t'ai jamais vu comme ça. Toi, d'habitude, si patient. Que se passe-t-il, Choubi? Elle a pris des vêtements dans une armoire sans savoir à qui ils appartenaient. Et t'as explosé de colère. Tu t'es emporté contre elle. Elle ne pouvait pas deviner, mon grand, qu'elle te ferait beaucoup de peine en portant ce sari. Tu ne crois tout de même pas qu'elle l'a fait exprès? Non, Choubi. Cette fille est vraie et intègre. C'est sûr, c'est un membre de la famille qui lui a donné. C'est quelqu'un de cette famille qui est à blâmer. C'est peut-être Gayatri qui lui a donné les vêtements de Souani avant de se mettre en route. Je crois. Oui, c'est Gayatri. Ce n'est tout de même pas ma faute. Tu sais, tu ne devrais pas prendre les paroles de Choupe trop à cœur. Je ne sais pas quelle mouche l'a piquée. Tu ne fais que porter de vieux vêtements qui ne servent à rien. Ce n'est pas comme si tu avais commis un crime. Mais qu'a-t-il de spécial ce sari particulier? Et c'est vous qui m'avez incité à le choisir. Donc pourquoi Choubi était-il en colère? Moi, je t'ai donné ces vêtements en me disant que il valait mieux que quelqu'un les porte, plutôt qu'il soit dévoré par les mythes. Il est bizarre en ce moment, il a beaucoup changé. Choubi passe ses nerfs sur le premier qu'il croise. Et puis tu vois, il s'en est pris à toi pour une histoire de vêtements. Dieu seul sait ce qu'il a dans le crâne en ce moment. Il pense à une chose et il en fait une autre. Mais comment ça? En fait, je crois que si Choup t'a invité ici, c'est pour faire étalage de sa bonté. Mais regarde, là, subitement, tu te rends compte comme il te désavoue? Je crois qu'il veut se débarrasser de toi. Mais ne t'en fais pas pour ça. Parce qu'il semble évident que Choup se demande ce qu'il fera si jamais tu restes amnésique jusqu'à la fin de tes jours. Ou alors Choup est angoissé, va savoir, à l'idée qu'on ne retrouve pas d'où tu viens et que tu sois obligé de rester ici à tout jamais. On ne peut pas demander à un homme qui devrait prendre soin de sa femme de se préoccuper d'une autre jeune fille. Il y a une énorme différence entre eux. Prêcher le bien et puis le faire. Ou alors, c'est que Choup te considère comme un fardeau. Ou peut-être qu'il ne supporte plus que tu vives dans notre maison. Allez, c'est pas le tout, mais je dois y aller. Mais si je peux te donner un conseil, c'est de ne pas t'aventurer en dehors de ta chambre, avant que Choup ne soit calmé. Je te ferai porter ton dîner par Ginny. Ça va aller. En fait, je crois que si Choupe t'a invité ici, c'est pour faire étalage de sa bonté. Mais regarde, là, subitement, tu te rends compte comme il te désavoue? Je crois qu'il veut se débarrasser de toi. Soany, Soany Macron. Soany. Mais où est-elle allée? Choubi? Mais où est Soany? Mon grand, je ne la trouve nulle part et elle n'est pas dans sa chambre. J'ai cherché partout, je ne sais pas où elle est allée. Ginny, elle ne doit pas être loin. Mais je viens de fouiller toute la maison dans son moindre recoin. Je ne la trouve nulle part, elle a disparu. Hey, j'espère qu'elle ne erre pas dans la rue. Mais non, papa. Pourquoi elle partirait soudain? Il lui faudrait une bonne raison. Et si c'était toi la raison? Mon Dieu. Mon Dieu, viens en aide à cette jeune fille. Guide-la. On ne prie plus, c'est fini dans cette famille. On ne vénère plus le Seigneur. On ne chante plus et on ne fait plus d'offrandes. Tu portes les vêtements de Soany. De quel droit? On t'a donné son prénom. Et demain, tu t'identifieras complètement à elle. Chauffeur, arrêtez-vous. Seigneur, pourquoi tu m'infliges ces épreuves, Seigneur? Je ne me souviens pas de mon nom, ni d'où je viens. Je ne me souviens de rien. Je ne connais pas mes racines. Je ne sais pas si je les connaîtrai un jour. Partout où mon regard se tourne, les gens sont accompagnés d'êtres chers. Alors que moi, je n'ai personne, je suis seule. Je suis seule et en plus, je ne me souviens de rien. Qui suis-je, moi ? Tu m'as dépossédée de tout, Seigneur. Tu es responsable de ce qui m'arrive aujourd'hui. Je t'en prie, ne me laisse pas dans l'ignorance. Comment je m'appelle et où je vais? Que dois-je faire? À qui est-ce que tu parles? Tu ne comprends pas qu'il n'y a pas de réponse à tes questions. Ce n'est qu'une statue en pierre, privée de sentiments. Une simple idole avec un cœur de pierre. Tu penses trouver quoi ici? Et tu es parti sans rien dire, sans prévenir personne. Tu peux m'expliquer? Mais tout va bien, Choubi. Même si je ne sais pas où je vais, je trouverai bien un endroit où trouver refuge. Ne t'en fais pas pour moi, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes? Ne pas m'inquiéter. Tu ne sais pas où tu vas aller? Pas encore. Et en quoi ça t'intéresse, Choubi? Choubi, depuis que nos chemins se sont croisés, je sais que je n'ai été qu'une source d'ennui pour toi. De douleur, de chagrin, de souffrance. Tu sais, je ne veux surtout pas être un boulet à traîner pour toi. Rien ne nous unit. Tu ne sais pas qui je suis. Et pourtant, tu m'as traitée comme une sœur. Je ne pourrai jamais t'en remercier, Choubi. J'ai jamais dit que tu étais un boulet. Oui, je sais bien que tu n'as rien dit de tel. Mais c'est la vérité. J'ai commis maladresse sur maladresse. Premièrement, j'ai prié chez toi. Ensuite, je me suis habillée avec les vêtements de Souani. Explique-moi s'il te plaît, Choubi. Quand on ne connaît pas son identité, qu'on ne sait pas qui on est, on n'a pas d'autre choix, je pense, que d'emprunter les vêtements et le nom de quelqu'un d'autre. Comment aurais-je pu deviner que tu attachais tant d'importance à toutes ces choses? Ou que ces souvenirs étaient douloureux, qu'ils te faisaient souffrir? Peut-être parce que je n'ai aucun souvenir de rien. Je te demande pardon. Tu n'es pas en tort. Moi, je le suis. Toi, tu as agi, sans savoir. Ce n'est pas de ta faute. Comment te faire comprendre? Quand un homme entame sa vie conjugale avec son épouse, et que soudain, sa femme meurt brutalement. Cet homme est tenté par le visage de sa défunte épouse. Et si alors, quelqu'un revêt les vêtements de sa femme, qu'est-ce que cet homme va penser? Que quelqu'un essaie de lui rappeler des souvenirs tellement atroces. Tu ne comprendras peut-être pas. Soany et moi commencions à peine à bien nous connaître. Lorsque soudain, on me l'a arraché brutalement. Vivre sans Soany à mes côtés, je ne l'avais même pas envisagé. Mais je n'ai pas le choix, il le faut. Je suis vivant, mais j'ai perdu tout espoir. Tu vois, elle est là la différence. Moi, j'ai plein de souvenirs. Toi-même, pas un seul. Ces souvenirs ne me quittent pas. Alors que toi, tu aimerais retrouver les tiens.